Homme Katepia. Femme nivelleuse, la force des bras pour faire de la route Miboman Abom le canal qui relie l'arrondissement de Yaoundé 4 à l'arrondissement de Yaoundé 5. Ici en communauté, les populations sont sorties nombreuses pour affronter leur calvaire à force d'attendre le gouvernement sans voix. Nous-mêmes, nous devons montrer l'exemple en attendant que les pouvoirs publics nous viennent en aide. C'est ici donc que j'ai donc lancé cet appel. Et vous voyez comment les populations se sont levées massivement. Et vous voyez ce que vous voyez là. Une journée de travail collectif pour trouver la solution provisoire à ce malheur qui hante la localité. Ici, c'est comme un véritable enfer sans mourir. La souffrance à tout temps, mais surtout en saison des pluies. Il y a des voitures, quand ils arrivent même à ce niveau, ça rentre pas dire les voitures ne veulent que dormir ici. Et quand il y a une petite pluie qui tombe ici, aucune voiture ne peut monter. Même descendre à pied, il n'y a pas moyen de descendre à pied. Il n'y a pas moyen de descendre à pied. Il faut seulement essayer de chercher pardon, au moins deux bâtons pour monter ici, comme peut-être si on est au fin fond du village. Un bâton comme troisième pied, c'est déjà l'habitude ici. L'état de la route recrute les pires maux de son lexique. Impraticable, boueuse, crevassée et que sais-je encore. Il y a un complément de malheur. Ce pont, semblable à une pièce d'art, mais qui constitue le cœur du risque de ce quartier. Ses victimes s'égrènent à la même vitesse que le temps. L'autre jour, ça ne fait pas deux semaines, il y a une tassement qui a crié ici dans le quartier. Nous, on est sortis dans les affaires de 3h du matin pour le retirer ici. Il est arrivé ici, la voiture a glissé, la voiture est partie se coucher là. Il y a des motos, on nous agresse même partout en bas là. Quand quelqu'un, la moto ne peut pas te faire descendre. Bon, il y a les gens qui traversent de l'autre côté, au niveau du pont là. Il y a toutes les agressions là-bas. Bon, là quand il pleut, bon, il nous calcule. Il sait que bon, tu ne peux pas prendre la moto ni la voiture pour descendre. Bon, il se place quelque part, quand on sort la marche, vous ne pouvez rien. Vous êtes obligé de vous livrer. Les travaux de construction de ce pont avaient pourtant été engagés il y a quelques années, mais arrêtés au moindre pas d'avancement. Seul souvenir de ce chantier, la soif qu'il a laissée à la contrée en cassant les tuyaux d'eau. Depuis qu'ils ont effectué les travaux sur le pont, on est coupé, ils ont détruit nos tuyaux d'eau. On n'a plus pratiquement d'eau ici. Et bon, en ce qui nous débrouillons dans des fosses, les puits, vous voyez, dans des marécages là, et des puits pas très propres, c'est terrible. Si vous voyez quelle eau nous buvons ici, vous aurez vraiment pitié de nous. Parce que nous essayons de trouver un peu partout, je ne sais pas quoi, dans des puits. En tout cas, on se débrouille comme on peut. Pauvre Miboman, obligé parfois de partager le bain avec des canards, pas manque d'eau. Thank you.